Supersonic Imagine est une société française créée en 2005. Nous étions 3 personnes. Aujourd'hui, en 2013, nous sommes 125 personnes au travers du monde. Les 100 personnes en France donc, sont représentées notamment par toute la partie recherche et développement, la partie administrative, la partie marketing, mais aussi la partie vente. Nous sommes présents dans 54 pays, avec une base installée de près de 800 systèmes, dont une centaine en France. Partant du constat que la plupart des échographes du marché avaient des cadences d'acquisition très lentes, nous avons créé un échographe à acquisition ultra rapide. Cet échographe donc récupère un certain nombre de brevets issus du CNRS avec lequel nous avons un partenariat. Et nous avons développé donc en 3 ans cet échographe. Il a été mis sur le marché pour la première fois en 2009, date à laquelle nous avons obtenu le marquage CE ainsi que le marquage FDA. Donc cette acquisition ultra rapide nous permet en fait de voir des choses qui ne sont pas visibles avec des échographes classiques. Une de ces choses notamment est l'élastographie par onde de cisaillement, ainsi que le Doppler ultra-fast ou la mesure de l'onde de Pou. En ce qui concerne la partie élastographie par onde de cisaillement, de nombreuses études internationales ont pu prouver que l'association de l'élastographie quantitative à l'échographie classique permettait d'augmenter la spécificité de certains examens, comme par exemple les examens en sénologie ou en prostate ou pour le foie. Les perspectives d'évolution de Supersonic Imagine vont aller principalement vers l'élargissement des organes explorés ainsi que des applications que l'on va adresser avec tous les outils spécifiques dont nous disposons, et également essayer d'attaquer plus de marchés dans le monde entier pour accroître notre puissance, notamment au niveau des pays émergents que sont la Chine, l'Inde ainsi que le Brésil, mais aussi nous sommes très présents en Amérique du Nord et en Europe. Et là, nous venons d'ouvrir une antenne en Chine, un bureau en Chine où nous avons une quinzaine d'employés qui vont donc attaquer ce marché-là qui est en forte croissance actuellement.